Eh bien, salut tout le monde, c'est Pickup et on se retrouve pour un nouveau tuto. Donc, ça va être un tuto de comment faire une ferme à foin ou autre chose. Enfin, moi j'en fais une avec du foin automatisé avec des pistons, de la stone, de l'eau, tout ça. Je vais vous montrer le système, hein. Tu vois comment ça marche. Donc, je vais faire un petit système. Ça lâche de l'eau et ça vient casser en fait le foin. Voilà, vous entendez que l'eau enfin, ça s'enlève. Puis vous reprenez toutes vos récoltes. Voilà. Donc c'est très efficace, hein, au lieu de tout casser à la main. Maintenant je vais vous montrer comment on fait. Alors, 3, 4, 5, 6, 7. Oula, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bon, ça c'est pas obligé de prendre les mêmes longueurs, mais bon, je les prends moi parce que bon. J'ai peur que ça marche pas, ou enfin, j'ai pas essayé avec d'autres longueurs, donc je sais pas. Mais normalement ça doit marcher, hein, parce que les coureurs d'eau vont plus loin que ça, donc ça doit marcher, mais bon, j'essaye pas, donc c'est pas grave. De toute façon, c'est déjà une grande surface, je pense, pour faire des cultures. En pire, vous en faites plusieurs, donc. Puis bon, c'est pas, ça coûte pas si cher que ça et c'est efficace, donc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok. Voilà. Donc prenez des dalles, c'est mieux. Vous pouvez prendre d'autres choses, mais bon, moi je prends des dalles, je trouve que c'est mieux quand même. Voilà. Ah, maintenant, donc on va faire les récoltes. Donc, bah, c'est simple. Donc, on va faire ça. Moi, l'eau, je la mets ici. J'en mets un peu partout. Une là. Il faut pas que ça gêne en fait. Parce que si vous en mettez par exemple là, quand l'eau va tomber, bah, je vais vous montrer. Si ça marche bien, voilà, l'eau ne va pas partout. C'est vraiment chiant. Ouais, elle va même pas partout, elle s'arrête là. Que là, je l'ai remis. Elle va partout. Sauf là, je sais pas pourquoi. Ah voilà, bon après, enfin, c'est mis après. Bon, je vais vous montrer. Voilà, l'eau se déverse, puis voilà. Donc faut pas faire un trou sur le trou, sinon ça va pas marcher. Je vous montre un peu le système. Hein. Là il y a des pistons et là il y a l'eau au-dessus et l'eau tombe en fait. Donc par exemple ici, vous mettez de l'eau et vous mettez un truc. Ici vous mettez de l'eau, vous mettez un truc, vous en mettez un peu partout pour bien que la terre ne se se laboure bien. Voilà, ça va être bon là. Voilà, maintenant on va faire le dessus, hein, pour faire les pistons, tout ça. J'ai fait combien de hauteur? Sinon je vais faire comme ça, hein. J'ai fait combien? C'est bon, on est dessus là. Voilà. Après, vous pouvez décorer tout ça. Hein. Là, le toit il est moche. Vous pouvez faire de l'autre matière. Hein. C'est juste pour faire les tutos là. Donc, si je décorais, ça me prendrait très du temps. Voilà. On va faire l'intérieur. Je pense que ce tuto il va prendre plus longtemps que mon premier sur le générateur de cobblestone automatisé. En même temps, il y a plus de choses à faire. Donc, mais c'est vrai que c'est plus facile parce qu'au lieu de prendre toutes ces récoltes à la main, c'est chiant.
chiant au bout d'un moment, je trouve, moi, donc. Après, je sais pas vous, mais bon. Pour moi, c'est assez chiant. Donc là, ce sera où l'eau va tomber, je crois. Bon, vous pouvez faire. Sinon, vous pouvez mettre les pistons ici. Sais même plus comment placer un piston. Ah, si, c'est bon. Ah, enfin, je suis trop loin, c'est ça, non? Pourtant, tout à l'heure, j'étais arrivé sans faire comme ça. Donc vous passez les pistons comme ceci. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire. Vous allez faire ça pour pas que l'eau s'en aille après. Hein. Voilà. Ah, comme un peu sur l'autre là-bas, voilà. Parce que l'eau va être ici, donc. Mince. Voilà. On va faire tout de suite le petit système de redstone. Je vais voir si ça marche bien déjà là parce que je suis pas sûr que ça marche. Ah si, c'est bon. Donc on va faire. Il y en a alors, oui, il y en a. Hop là. Redstone. Ah! Petit bug. Voilà. Bon après vous faites comme j'ai fait hein. Vous faites un. Je vais mettre le jour parce que j'aime pas la nuit. Voilà, donc vous mettez votre redstone. Vous mettez votre truc. Et déjà, on va voir que là, ça va marcher. Déjà, vos pistons, bah, s'allument correctement. Sauf celui-là, je sais pas pourquoi. C'est peut-être pourquoi, mais je vais juste voir. Je pense que j'ai compris, mais j'ai toujours des petits faits comme ça dans mes vidéos. Bon. On sait bien, ça rajoute un peu de truc. Hop là, voilà. Ah voilà. Ils ont là ils sont tous faits parce qu'en fait il y avait il allait pas jusqu'à là la redstone. C'est bien ce que je me disais qu'il y avait eu un problème. Bon voilà, quand vous avez fait ça bah votre système de redstone est fini. Bon après bon vous savez ce qu'il reste à faire hein. À mettre l'eau. Ça c'est simple hein. C'est pas difficile, c'est bon, elle est statique. Et puis bon après faut la bourrer, hein. Vous voyez maintenant on voit là ça va faire un sujet en l'intérieur. Ça va terminer la place se désarmer. Je sais pas si ça existe pas mais bon. Je viens de l'inventer. On va mettre nos graines. Après je vous dis vous pouvez le faire avec des carottes, des patates. Je sais que les pastèques ça marche pas. Enfin, je sais pas. Les pastèques c'est un autre système de redstone avec justement les pistons sont en dessous des pastèques et ça casse les pastèques. Je crois que c'est ça. Mais là je crois que ça marche pas pour les pastèques. Hein. Mais bon, enfin, ça sert quand même, moi je trouve. Hein. Ça marche pour. Vous pouvez le faire pour les verrues, du nether, plein de trucs quoi. Toutes les choses qui se cassent comme des graines. Voilà. Bon allez, on va faire nos cultures avec de la poudre de dos.
On a bientôt fini. Voilà, allez, voilà, donc voilà, bah là vous voyez bien que le petit système de redstone, le petit pardon, le truc est fini. On va le tester maintenant. On déclenche, attention. Et bah voilà. Et vous pouvez voir que l'eau va s'enlever, hein. Et bah vous pouvez bien voir que bah tout s'est cassé et vous récupérez votre foin. Et puis voilà. Bon bah j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, hein, que ça va vous aider. Parce que franchement, bon, c'est vraiment intéressant. N'oubliez pas encore de bombarder la barre de pouces verts et de vous abonner. Moi je vous dis ciao les gens. Bye.